believe in what you said. You do. Fair. I don't need fame and fortune. I don't need honorable mentions. I don't need fancy mansion. I don't need it. All I need is fair. Glory to God. Gloire à Dieu. Let's pray. Prions. I want you to say, Father, speak to us. J'aimerais que tu dises, Père, parle-nous. Speak to us. Parle-nous. We need to hear your voice. Nous voulons entendre ta voix. We need to hear your word. Nous voulons entendre ta parole. Let's all pray. Prions tous ensemble. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Communicate to us your word. Merci, Jésus. Communique-nous tes voix. Use my voice. Utilise ma voix. Use my lips. Utilise mes lèvres. Use all my being, Lord, to communicate your will to your people. Utilise tout mon être pour communiquer ta pensée. As you are preparing, God, Mighty, a fire generation. Que nous puissions préparer une génération de flammes. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. I pray. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler sur how to become effective in your calling. Nous sommes en train de parler de comment devenir effectif dans votre appel. Pour gagner notre temps, nous n'allons pas retourner dans ce que nous avons développé hier. To gain more time, we're not going to go back to what we thought yesterday. Le premier point pour être effectif, nous avons dit. The first point for you to be effective, we say. Nous sommes appelés à développer notre capacité intellectuelle. That you are called to develop our intellectual capacity. Et là, je me souviens. Then I remember. Que quand on a introduit Daniel. That when they introduced Daniel. Par la reine. By the queen. La reine dit. The queen said. Daniel était un homme qui était rempli de lumière. Daniel was a man filled with light. Rempli de lumière. Filled with light. Et quand nous disons. And when la capacité intellectuelle. Intellectual capacity. Nous ne parlons pas de diplôme. We are not talking about diplomas. Mais nous parlons. But you're talking about. De lumière, the light, la connaissance, knowledge. La connaissance est égale à la lumière, knowledge equal light, et le ténèbre est égal à l'ignorance, and darkness equal to ignorance. Alors nous avons dit ceci, so we've said this, la différence, the difference, entre toi, between you, et la personne qui est devant de toi, and the person who's before you, dans ton domaine, in your domain, c'est le degré de la lumière. It is the level of light, le degré de la connaissance, the level of knowledge. Alors c'est très important, mes so amis, it is very important, my friends, de nous investir, to invest ourselves, à connaître, to know. L'apôtre Paul n'a pas marché avec Jésus physiquement. Apostle Paul did not live with Jesus physically. Mais l'apôtre Paul, but Apostle Paul, a connu Jésus. Knew Jesus sur le point at the level que il a personne that no one personne nous a parlé de Jésus no one explained to us about Jesus comme l'apôtre Paul like the apostle Paul. Suivez-moi très bien. Listen to me carefully. Nous allons parler des choses tellement profondes. We shall speak about deep stuff. Peu importe la voix que vous êtes habitué. No matter the voice. Et je me suis décidé. And I've decided. Que même s'il faut parler petit, even if I have to speak with a soft voice, mais je vais communiquer. But I will communicate. Amen. Amen to that. Alors soyez attentifs, ne soyez pas distraits. So do not be distracted. Aujourd'hui nous allons. Today we're gonna parler sur la capacité spirituelle. Today we're gonna speak about the spiritual capacity. Tu ne peux pas être effectif. You can never be relevant. Dans la vie. In life, dans le domaine de ta vie, in the domain of your life, que ça soit le ministère, it may be the ministry, que ça soit le business, it may be business. Si tu ne connais pas, if you do not know, la place de la capacité.
capacité spirituelle. The place of spiritual capacity. Alléluia. Amen to that. Nous allons lire un passage. We're going to read a scripture. On va nous lire ce passage. They're going to read for us. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthians chapter 3. Verset 1er jusqu'au 20. Jusque 3. Verse 1 up to 3. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthiens 3. Verse 1. Premier jusque 3. Up to 3. I read the name of Jesus. Amen. The Bible says, brothers, I was not able to speak to you as spiritual people, but as people of flesh, as babies in Christ. I fed you milk, not solid food, because you are not able to receive it. In fact, you are still not able, because you are still fleshly. For since there is envy and strife among you, are you not fleshly and living like ordinary people? Amen. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Nous voyons dans ce texte, we've seen in this scripture, l'apôtre Paul, Apostle Paul, il a travaillé dans plusieurs villes. He worked in different cities. Dans la ville d'Éphèse, in the city of Ephesus, il prie, he prayed, que Dieu illumine, for God to enlighten, les yeux de leur cœur, the eyes of their hearts, afin qu'ils puissent voir, so that they may see, les choses qui sont attachées à leur appel, the things that are connected to their calling. Auprès des Corinthiens, to the Corinthians, l'apôtre Paul dit, Apostle Paul said, quand j'étais au milieu de vous, when I was among you, j'ai travaillé avec vous, I worked with you, comme j'ai travaillé avec des hommes charnels, as working with flesh people. Je n'ai jamais libéré, I've never released, ce qui était en moi au milieu de vous, what was within me among you. Tout ce que je vous donnais, whatever I was giving you, c'était de lait, it was just milk, parce que vous êtes charnel, because you are carnal. Dis à ton voisin la capacité spirituelle. Tell to your neighbor spiritual capacity. Je vous ai donné du lait. So I gave you milk. Non de la nourriture solide. But not solid food. Car vous ne pouviez pas la supporter. Because you cannot handle it. Donc votre capacité spirituelle, so your spiritual capacity, était charnelle. Was carnal. Sur le point, at the level, que Dieu, even God, m'a donné les paroles, was giving me words, au degré de lait, at the level of milk, parce que vous ne pouvez pas supporter ça, because you couldn't handle. Je vais poser quelques bases, I will lay some foundations, et puis nous allons parler, then after that you're going to speak. Lisons encore 1 Corinthiens 2, 1 Corinthians chapter 2, verset 6, verse 6 jusqu'au 8. Up to verse, et après 8. Nous allons sauter. Then we're gonna 10 jusqu'à 14. Read 10 up to 14. 2 Corinthians chapter 2. Écrivez bien ces versets. Write all those scriptures, beloved. Verse 10, the Bible says, now God has received them to us by the Spirit, for the Spirit searches everything, even the deep things of God. For who among you men knows the concern of a man except the spirit of the man that is within him? In the same way, no one knows the concerns of God except the spirit of God. Now, I have received the spirit of the world, but the spirit who is from, I have not received the spirit of the world, but the spirit of who is from God. So in order to know what had been freely given unto us by God, we also speak these things not in the word taught by human wisdom,
but in those taught by the Spirit of God, explaining spiritual things to the spiritual people. Amen. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Dieu nous les a révélés. Dieu nous les a révélés. God has revealed unto us. Par l'Esprit. By the Spirit. Car l'Esprit sonde tout. For the Spirit searches everything. Même les profondeurs de Dieu. Even the deep things of lequel God. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Aujourd'hui, l'Église a un problème. Today, the church has a problem. Parce que les gens pensent. Because people think. Et les gens perçoivent l'Église. And people are perceiving the seulement church. Seulement comme une organisation. Just like an organization. Il y en a même d'autres qui pensent que c'est un club. Some are thinking it is a club. Où les gens se retrouvent. Where people gather. Nous prions. We pray. Nous donnons. We give. Nous chantons. We sing. Et nous rentrons. And then we go back. Et nous avons aujourd'hui dans l'église and today we have in the church, des hommes et des femmes men and women, qui ne peuvent même pas tenir devant le trône de Dieu pendant 5 minutes. Are not able to stand before the throne of God even for 5 minutes. Mais ils sont diacres. But they are deacons. Ils se disputent des postes. They are fighting for positions. And this is what is happening. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et nous avons même dans les affaires and even in business, des hommes qui ne comprennent pas men do not understand que l'argent that money est au centre de la bataille spirituelle. Is at the center of the spiritual warfare. Écoutez mon frère. Listen to me. L'argent the money est au centre de la bataille spirituelle. Is at the center of the spiritual warfare. Celui qui met la main sur l'argent the one who has control over money il va dicter ses pensées. Shall detect his mindset. C'est ainsi. Reason why. Le monde spirituel. The spiritual world. Cherche par tous les moyens. They do all means. À contrôler. To control l'argent. Money. Alors si tu veux t'engager dans les affaires. So if you want to commit yourself in business. Tu veux t'engager dans l'église. You want to commit yourself in the church. Tu veux réaliser les rêves de ta vie. You want to fulfill the dream of your life. Tu dois comprendre you have to understand que Dieu est appelé that God called you à développer to develop ta capacité spirituelle. Your spiritual capacity. Sinon, tu seras victime. Otherwise, you shall be a victim. Sinon, tu ne sauras pas implémenter ta vision. Otherwise, you won't be able to implement your sinon, vision. Tes pensées your thoughts vont retourner avec toi dans la tombe. Shall go back with you in the grave. Capacité spirituelle. Spiritual capacity. Après la capacité intellectuelle. After the intellectual capacity. L'homme doit développer ses capacités.
capacité spirituelle. The man is called to develop his spiritual capacity. Pour avoir un avenir meilleur. For you to have a better future, a bright future. Tu dois premièrement grandir spirituellement. First of all, you have to grow spiritually. Tu dois premièrement. First of all, you have to grow. Grandir. Grow spirituellement. Spiritually. Écoute ce que Jésus dit. Listen to what Jesus said. Dans Jean chapitre 16. John chapter 16. Verset 12 et 13. Verse 12 and 13. Je lis en français. You're going to read in French. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand Jésus marchait avec les douze, when Jesus was walking with the 12, il avait beaucoup de choses à dire. He had a lot of things to tell them. Mais il leur dit, but he said, je ne sais pas les dire maintenant. I don't know how to tell you now. Parce que vous n'avez pas la capacité. Because you do not have the capacity de recevoir cela. To receive those things. Vous savez qu'est-ce que j'ai constaté? You know what I've noticed? Dans la plupart des rêves, in most of the dreams, les gens ne rêvent que la mort. People always dream about death. Les gens ne rêvent que l'échec. People dream about failures. Quand vous avez à l'église, when you go to church, 4-5 mamas qui sont grosses, 4-5 ladies who are pregnant, il y aura même 10 visions. You have over 10 visions. De différentes mamans. Different ladies. Et ces visions-là seront toujours. And those visions will be always. I've seen you, you went for labor and then you died. Soit mama kufi. Either the mother died. Soit mwana kufi. Or the baby. Est-ce que vous avez constaté ça comme moi? Have you noticed it as me? Just like me. Peut-être ici, vous n'avez pas constaté ça. Maybe here you did not notice. Mais dans plusieurs églises. But in many churches. Un jour, je pose à Dieu la question. One day, I ask God the question. Pourquoi seulement ce genre de rêve? Why always those kind of dreams? Pourquoi seulement ce genre de rêve? Why always those kind of dreams? Donc si nous, so if nous allons dormir, we go to sleep, c'est pour aller seulement voir la mort. It's for us to go and see death. Au moment où on peut être là, while we can be here, on a besoin de directives divines. We need divine direction. Rarement, rarely, des gens, people, qui apportent, bring des messages. Messages qui donne des directives, that give directions, qui oriente les gens, that guides people. Dans la plupart des cas, most of the cases, c'est toujours au confit. It's always a dream you die. Et c'est devenu tellement fréquent. And it became so frequent. Quand quelqu'un te dit, when somebody tells you, Maman Angélique n'a l'autre qui yo. Maman Angélique a dreamed about you. You know already to be maybe, maybe I lost one of my legs. You are in the helicopter and then it just crashed. You had a car accident. And this is what create the level spiritual que les gens opèrent. The spiritual level where people are operating. Ne se retrouve que dans ces choses-là. It's always in those things. Écoute ce que Dieu m'a dit. Listen to what God said to me. Les gens, people, sont négativement chargés. Are negatively loaded. C'est pourquoi. This is why. Ils ne rêvent que des choses négatives. They always dream about negative things. Ils ont du mal à accéder. They have a problem to access.
le monde de gloire. The world of glory. Parce que même la gloire. Because even the glory. N'est pas accepté dans leur esprit. It's not accepted, not welcome in their spirit. Un jour, j'ai prêché quelque part, j'ai dit ceci. One day I was preaching somewhere, I said, aujourd'hui, today, dans les églises, in churches, nous chantons, we sing, il peut prendre de la poussière, that God can take from dust, il élève parmi les grands, and lift you among the greats, mais nous ne croyons pas à ça, but we do not believe in that. Nous ne sommes pas chargés, we are not loaded, dans notre capacité spirituelle, in our nous ne sommes pas chargés pour la gloire, we are not loaded for glory. La preuve, the proof, dès que je croise Papa François aujourd'hui, once I encounter Papa François today, I met up. Deux semaines après, 2 weeks later, je trouve un Papa François élevé. I see Papa François is promoted. Je serai la première personne à commencer à douter. I will be the first person to start doubting. Mais à l'église, but I'm in the church. Je ne parle pas du monde. I'm not talking about the world. Je parle de l'église. I'm talking about the church. Kaka boy, just like this. Asali nini? What did he? Je deviens sensible. I became so sensitive. À observer sa démarche. To start observing all the ways, all the que things Papa that he's doing. François, that Papa François ne marchait pas comme ça. He was not working like this. Où sa démarche a changé. Now he changes way of working now. I hope with this subject I could have my full voice. God, I need my voice. Thank you. Amen. Écoute. Listen. J'ai commencé à observer ses bagues. I start not observing all his fingers. Une fois qu'il met une chaînette, once he's wearing a chain, je trouve un point. I see a reason. Pour dire, to say, chaînette wana. This chain, il faut fouler dans mon mis. We have to really check it, double check it. Pourquoi? Why? Spirituellement. Spiritually, notre capacité spirituelle, our spiritual capacity, est plus négativement chargée, is negatively loaded. Ou spirituellement, or spiritually, y a des chrétiens, they are Christians, qui pensent, who think, même s'ils ne le disent pas, even if they do not say it, mais ils pensent, but they believe. Que le diable est that capable de the beaucoup. The devil is so powerful and able of so much. Spirituellement, spiritually, leur capacité, their capacity, de croire en Dieu, to believe in God, n'est pas à mesure, is not at the level, de permettre à Dieu, to allow God, d'opérer dans leur vie, to operate in their lives. C'est ainsi Jésus dit. Reason why Jesus said, j'ai beaucoup de choses. I still have a lot to tell you. À vous dire. I still have a lot to tell. Je ne peux pas. But I can't. Maintenant. Now. Parce que. Because. Vous n'avez pas la capacité. You do not have the capacity. De le supporter. To support it. Vous n'avez pas la capacité. You do not have the capacity. De le supporter. To support it. Votre esprit. Your spirit. Est capable. Is able. De supporter. To support. Des choses négatives. Negative things. Des déceptions. Deception. Des échecs. Failures. Des enfantements. Which là vous croyez. There you believe. Mais Dieu, but God, il est capable, is able, il peut faire, he can do it, mais, but, pas jusqu'ici,
not to this level. C'est la raison pour laquelle, it's the reason why, malgré que tu es enfant de Dieu, even though you are a child of God, Dieu ne se permet pas, God does not allow himself, de t'utiliser, to use you, au-delà de certaines limites, beyond some limitations, à cause de ta capacité, because of your spiritual capacity, qui est négativement chargée, which is negatively loaded. Si tu veux aller plus loin, yet if si you want to go au sommet, you want to be on top. Écoute, listen. Regarde un homme comme l'apôtre Paul. Si aimé, like Apostle Paul, on l'a tabassé. He was beaten up. Et on lui donne la prophétie. And they gave him a prophecy. Pour lui dire, to tell him, là où tu pars à Jérusalem, where you are going in Jerusalem, on va t'enchaîner. They shall bind you. On le tabasse. They will beat you up. Mais après il se lève. After that he stood il up. Dit Dieu. He said God. M'a dit que je vais annoncer la parole. Told me that I shall announce the word. Même devant le roi. Even before the king. Il se lève. Stood up. Et il part à Jérusalem. And he went in Jerusalem. Pourquoi? Why? C'était un homme. He was a man. Avec une capacité. With spiritual, a great spiritual capacity, tellement développé, so developed. Et il disait, and he said, dans des circonstances meilleures, in a better situation, je prêche. I shall preach. Dans des circonstances malheureuses, in a worse situation, je prêche. I shall preach. Je sais vivre. I know how to live. Dans l'abondance, in abundance. Et je sais vivre. And I know how to live. Dans la disette. In life. Et je crois, and I believe, que mon Dieu, that my God est capable, is able, mes amis, friends, nous sommes appelés, we are called, à développer, to develop, notre capacité spirituelle, our spiritual capacity. Écoute, listen, je dis toujours ceci, I always say this, Dieu, God, dis Dieu. Say God. Help me with your voice. Dis Dieu. Aidez-moi avec votre voix. Dis God. Say it nicely than me. Dis-le mieux que ça. Dieu. God. Écoute. Listen. Dieu. God. Est comme l'océan. Is like the ocean. Rempli d'eau. Filled with water. Quand tu te mets devant l'océan, when you're standing before the ocean, c'est jusqu'à l'infini. It's, you cannot even see the end. Mais quand nous allons tous à l'océan, but when we all go there by the ocean, nous n'avons pas accès à la même capacité de l'eau. We do not have the same capacity of getting water. Malgré, even though, Dieu est l'océan, God is like the ocean. Malgré, even though, l'eau remplit l'océan. The water filled the ocean. Mais ce que tu vas bénéficier, but what you shall benefit from, est déterminé, is determined, par les récipients que by tu vas your amener, container that you will bring. Si je pars à l'océan, if I go to the ocean, avec cette bouteille, with this bottle, je vais seulement prendre de l'eau, I will only take the water, à la capacité de cette bouteille, the capacity of this bottle. Attention, be careful. On dira, they will say, la plénitude. Fullness. La bouteille, the bottle, est remplie. Is filled up. Attention quand nous disons, be careful la when we plénitude say, du Saint-Esprit. Fullness of the Holy Spirit. Cette plénitude, that fullness of the Holy Spirit, est limitée, is limited, par ta capacité, by your container. Omemi bouteille. If you bring this bottle, il y a 500 milliliters, 500, autant de ciment en océan, you filled it with water from the ocean, plein, it's filled up, c'est rempli, it's filled up with water, tu vas te réjouir, you will be joyful, je suis rempli du Saint-Esprit, I'm filled with the Holy Spirit, oui, yes, mais tu es rempli, you are filled up with avec the Holy 500 Spirit, milliliters, but with 500 only. Une autre personne amène 5 litres. Another person will bring 5 liters. Il remplit and son récipient. Fill the
the container rempli, it's filled up with water, mais but avec 5 litres, but with 5 liters, une autre personne, another person, il amène ce tonneau, will bring a big container de 200 litres, of 200 liters, il remplit l'eau, and filled it up with, c'est la plénitude, it's also the le fullness. Problème, the problem, c'est la plénitude de quoi? It is the fullness of what? La plénitude de quelle capacité? The fullness of which capacity? C'est ainsi quand tu pries. Reason or when you pray. Et que tes capacités and your capacity sont négativement chargées. Are negatively loaded. Dès que tu pries. Once you pray. Dieu te remplit. God filled you up. Mais tu ne verras. But you shall see. Que des choses négatives. Only negative things. Tu vas rêver. You shall dream. Seulement des obstacles. Only obstacles. Mais quand tu es rempli, but when you are filled, chargé, loaded, positivement, positively loaded, Dieu, God, qui est capable, who's able, d'aller au-delà, to go beyond, de ce que nous pensons, of what we think, et de ce que nous imaginons, of what we imagine. Quand Dieu te remplit, when God fills you, fills you up, accéder. You shall access au monde des possibilités. To the world of possibilities. C'est ainsi. Reason why? Ça, je parlerai ça après. I shall speak about this later on. Your growth spiritually. Ta croissance spirituelle. Determine the size of your recipient. Est déterminée par la capacité de ton récipient. When you grow spiritually. Quand tu grandis spirituellement. When you grow spiritually. Quand tu grandis spirituellement. The capacity. La capacité. The possibilities. Le possibilité. Of receiving things. De recevoir les choses. From heaven. Provenant de cieux. Become also higher. Ça devient aussi augmenté. The level. Le niveau. Of your revelation. De ta révélation. Become also higher. Ça augmente aussi. What to do now, pastor? Que faire maintenant, pasteur? Number one. Numéro un. You need to know. Life. La vie. Is a spiritual domain. C'est un domaine spirituel. Amen. Life is not physical. La vie n'est pas physique. Listen. Écoutez. Life. La vie is a spiritual domain. Est un domaine spirituel. When you grow spiritually. Lorsque vous grandissez spirituellement. You will be able to make it in life. Tu seras capable de réussir dans la vie. You will be able to achieve. Tu seras capable d'atteindre certain level in life. Certains niveaux dans la vie. Yes, we spoke about. Oui, nous avons parlé the intellectual capacity. La capacité intellectuelle. But let me tell you this. Mais laissez-moi vous dire ceci. Your light. Ta lumière. Will shine easily. Va facilement briller. When spiritually you grow. Si spirituellement vous grandissez. I repeat it. Je répète encore. Your light. Ta lumière. Will shine easily. Facilement briller. When spiritually you grow. Lorsque vous grandissez spirituellement. If you don't grow spiritually. Si tu ne grandis pas spirituellement. You will quench your light. Tu vas coincer ta lumière, étouffer ta lumière. And that will make life difficult for you. Et ça va faire en sorte que la vie soit très difficile pour vous. Number two. Numéro 2. Never be carnal. Ne sois jamais charnel. Never be carnal. It's too costly to be carnal. C'est très coûteux d'être charnel. Ça va te coûter le temps.
It will cost you your time. Ça va te perdre l'énergie. You will lose your energy. Ça va te perdre les possibilités. You will lose possibilities. Never. Jamais. Be carnal. Ne sois jamais charnel dans la vie. For you not to be carnal. Pour que tu ne sois pas charnel. Have this in your mind. Garde ceci. Je suis un esprit. I am a spirit. Tu es un esprit. You are a spirit. Tu habites dans un corps. You are dwelling in a body. Pour une mission sur la terre. For a mission on earth. Tu n'es pas la chair. You are not the qui flesh. Qui cherche à devenir spirituel. And then you are trying to become spiritual. Pour aller au ciel. So that you may go to heaven. Écoute très bien. Listen again. Tu n'es pas un homme animal. You are not an animal man. Qui veut devenir spirituel. Trying to become spiritual. Pour aller au ciel. So that you may go to heaven. Je répète encore. I repeat again. Tu n'es pas un homme animal. You are not an animal man. Qui veut devenir spirituel. Trying to become spiritual. Pour aller au ciel. So that you may make it to heaven. Je répète encore. Let me repeat it again. Tu n'es pas un homme. You are not animal. Animal man. Animal. With charnel, your flesh. Qui veut devenir spirituel. Trying to become spiritual. Pour aller au ciel. So that you may go to heaven. Mais tu es. But you are. Un esprit. A spirit. Qui habite dans un corps. Dwelling in a body. Pour accomplir une mission sur la terre. To fulfill a mission on earth. Et puis retourner au ciel. Then after that, go back to heaven. Si vous comprenez seulement ce schéma, if you understand this, cela va changer beaucoup de choses. It shall change many things in your life. Je suis un esprit. I am a spirit. Qui habite dans le corps. And I dwell in this body. Pour accomplir une mission sur la terre. To fulfill a mission on earth. Et retourner au then ciel. Then after that, go back to heaven. Écoutez. Listen. Est-ce que quelqu'un. Is it somebody. Qui comprend ce schéma. Understanding this formula. Il aura peur de la mort. You're gonna be scared of, afraid of death. Soyons sincères. Let us really be sincere. Il aura peur de la mort. Are you gonna be afraid about death? Un esprit. A spirit. Qui habite dans un corps. Dwelling in a body. Pour accomplir la mission. To fulfill a mission. Et retourner. Then go back. Il n'aura pas peur de la mort. He's not gonna be afraid of death. Mais pour y arriver. But for you to il faut achieve, développer la capacité spirituelle. You have to develop spiritual capacity. Pastor, you are telling us to develop our spiritual capacity. How can you do it? How can you do it? Tu peux venir à l'église. You can come here at church. 10 ans. 10 years. Au colorate spirituel. But you do not grow spiritually. Comme nous avons vu l'exemple des Corinthiens. Like we've seen in the book of Corinthians. Tout un livre sur eux. An entire book about them. Tout un livre. An entire book. Mais l'apôtre Paul dit. Apostle Paul said. Quand j'étais à Corinthe. When I was among you. Vous n'avez pas bénéficié de moi. You did not really benefit tout ce from que me. Je vous donnais. All the things that I gave you. C'était du lait. Was only milk. Parce que vous étiez charnel. Because you are still babies. Quand quelqu'un est charnel. When somebody is carnal. Il bloque. Et puis quand nous disons charnel. And when we say that you are carnal. Aujourd'hui avec les pentecôtistes. Today with the revival church. Quand on dit charnel. When we say that you are carnal. Oui, be like you think like someone is escroc, a thief or a crook. A kobo, cigarettes. Ce sont là. These are the things. Les étiquettes que nous avons placées. These are the labels that you have put there if someone is carnal. Et c'est ce qui fait. And that's what made. Que les gens n'accèdent pas toujours à la spiritualité. That people do not really access into spirituality. Parce que nous pensons. Because we think. Que ce sont ces choses-là qu'il faut laisser. It's those things that you need to leave. Ces choses-là. Those things.
ne peuvent même pas déjà dès le départ from the starting point se retrouver dans la vie d'un enfant de it Dieu. It cannot even be found in the déjà life of a child départ, of God from the beginning. Ce sont des choses qu'on laisse à These la porte. These are the things that we leave by the door. Ce sont pas des choses qu'on laisse ici. These are not the things that you leave when you are already Ce sont a des child choses of God, qu'on laisse là-bas. But you leave it right at the beginning. Écoutez. Listen. Mes amis. Friends. La première des choses pour être spirituel. The first thing for you to be spiritual. Always. Toujours. Depend on the Holy Spirit. Dépendre du Saint-Esprit. Always. Toujours. Depend on the Holy Spirit. Dépendre du Saint-Esprit. They absolutely surrender. Et soumets-toi absolument. Écoute. Écoutez. Listen. Depuis le matin. From the morning. Hier j'ai prêché depuis le matin. I've preached since the morning. Ma voix. My voice. Ma voix. My voice. Ne permettez pas que je parle. Was not allowing me to speak, to talk. Je pouvais appeler quelqu'un, I could call someone, lui donner mes notes, dit, to come and give me my notes. Parle, say, je vais continuer, terminer le vendredi. Go, I will carry on Friday. Mais le Saint-Esprit me dit, but the Holy Spirit said, parle avec cette voix. Go and preach with that voice, teach with that voice. I give you no option. Speak. Je ne te donne pas des options. Pars et parle. Ah. Hmm. Ok. Ok. I will speak. Je parlerai. I surrender. Je me suis soumis. Je me suis abandonné. I surrender. Quand on dépend du Saint-Esprit, when you depend the Holy Spirit, you have to learn to surrender. Tu dois apprendre à t'y abandonner. Tu ne peux pas, you can never développer, develop tes capacités spirituelles, spiritual capacities, if you can say si no tu peux dire to the Holy Spirit, non au Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de gens, reason why many people, n'évoluent pas, are not moving forward. Parce que même dans les affaires, because even business, tu peux avoir un projet, you can have a plan. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu te dit, a child of God, God says, n'investis pas. Do not invest. Mais toi tu dis, but you say, j'ai déjà tout planifié. I've planned all things already. You don't. The Holy Spirit. Tu ne dépends pas du Saint-Esprit. Et avec cette capacité-là, with that capacity, il te regarde aussi de loin. He's also looking at you from afar. Tu veux aller loin? You want to go au sommet de la montagne? To be on top of the mountain. Au sommet de la montagne. To be on top of the mountain. Comme nous avons dit hier. Like we said yesterday. Develop tes capacités spirituelles. Develop your spiritual capacity. Number one element. Numéro un, l'élément numéro un. Dépend. Depends. Du Saint-Esprit. Of the Holy Spirit. Écoute. Listen. Il est comme l'opérateur. He's like the operator. En plein champ de bataille. In the battlefield. Quand les militaires sont en guerre. When the soldiers are fighting. En guerre. They are fighting. Un militaire. A soldier qui perd le contact, who loses the contact avec l'opérateur, with the operating system, il est fini. Is it over for him? Il est fini. It's over for that. Souviens-toi, person. J'ai dit, tu es esprit. You are spirit. Tu es venu sur la terre. You came on earth. Tu as porté un corps. You have a body. Pour accomplir une mission. To fulfill a mission. Il n'y a qu'une seule personne. And there is only one person. Qui connaît le terrain. Who knows the battlefield. De cette mission de ta vie. Of the mission of your life. Le Saint-Esprit. And it's the Holy Spirit.
Tous ceux-là All those qui progressent, who are progressing, qui évoluent, they are evaluating in life, sont ceux-là are those qui dépendent du Saint-Esprit. Those who depend on the Holy Spirit. And more, et de plus, you learn to depend on the Holy Spirit. Tu apprends de dépendre du Saint-Esprit. More, your spiritual capacity, de plus, tes capacités spirituelles is growing, grandissent. Je l'ai dit quelque part. I've said it somewhere. Sans la mort, without death, y a pas une vie spirituelle. There is not any spiritual life. La vie spirituelle, spiritual life, c'est pour les morts. It's for dead people. Jésus dit, Jesus said, si tu ne te renies pas, if you do not deny yourself, tu n'es pas digne de moi. You are not worth of me. I believe in what you said, you do. Fame. I don't need fame and fortune. I don't need honorable mentions. I don't need fancy mansion. I don't need it. All I need is fame.